Salam alaikum khawti, Azul Flaoun, j'espère que vous allez bien. Bon, je m'excuse sur la qualité du son et aussi la qualité d'image, je suis un peu malade, donc je m'excuse vraiment. Après tout, bon, on va commencer directement la vidéo, je ne vais pas faire même le montage, je vais la faire directement. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je désire vous faire un rappel, ce qui concerne la fin des démarches Campus France pour 2022-2023. Donc, comme j'ai déjà dit au niveau des vidéos que j'ai déjà partagées sur la chaîne, je vous ai dit que pour les premières années, ça va être le 15 décembre et pour les deuxièmes années, troisième année jusqu'au Master 2, ça va être le 20 décembre. Donc la dernière heure plus exactement pour la validation de dossier électronique ou bien pour la soumission de dossier électronique, ça va être à 17h. Donc le 15 décembre à 17h, c'est le dernier délai pour la validation de dossier électronique. Et quand par exemple un site, un papier ou là, un document ou là, quoi que ce soit, a le temps de le rajouter le 17 décembre, oh, pardon, le 15 décembre à 17h. Ou bien, si vous avez, même pour par exemple les deuxième année, troisième année, ou bien jusqu'au Master 2, si vous n'avez pas encore rajouté votre TCF, ou bien si vous n'avez pas encore pris un rendez-vous de TCF, vous pouvez dès maintenant commencer vos démarches de zéro, à vrai dire. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous pour la passation de l'examen de TCF. Et aussi, comme je vous ai dit, vous devez scanner votre convocation TCF pour. Dans la boîte pastel, dans la case ou bien dans la rubrique mes compétences linguistiques, donc vous devez rajouter votre examen de TCF ou bien de convocation avant la validation de dossier électronique le 20 décembre à 17h. Donc vous devez faire ça parce que au-delà, ou bien le 20 décembre à 17h, ma validé touche, là c'est la fin des démarches Campus France, tu pourras faire rien, genre tu peux faire rien après. Mettre des lois, même si tu as le dossier, mettre des lois. Parce que le Jamaat marche le dossier, ou il va automatiquement parce que c'est un algorithme, voilà, c'est réglé. Donc après tout, 7 heures, c'est uniquement pour les Algériens, genre Campus France, Algérie. Par contre, pour les Marocains, j'ai vu que ça va être à 22, pardon, ça va être à minuit, 23h59 minutes. Donc voilà, je m'excuse, Rauti, encore une fois. Donc voilà, faites attention. La canne qui m'a dit que vous pouvez faire vos démarches dès maintenant, il n'y a pas de souci. Vous pouvez commencer de zéro, il n'y a pas de problème. Il suffit juste d'avoir un rendez-vous pour la passation de l'examen de TCF et aussi d'avoir le dossier traduit en langue française. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je suis là, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous aider. Inch'Allah, vous allez réussir. Inch'Allah. Je vous remercie. À la prochaine fois. Inch'Allah.